Donc, chers militants et sympathisants de l'UFDG, je vais très bien. Tout va très bien, je suis en Guinée. Et cette petite vidéo, je m'adresse à nos militants et sympathisants, c'est très important. Nous sommes dans une période aujourd'hui où beaucoup de personnes encore commencent à s'approcher de l'UFDG pour se battre, pour faire les combats au nom de l'UFDG et au nom du président Sélouda Ndiallo. Présentement, bientôt, l'UFDG va mettre un nouveau bureau, cellule de communication. Nos militants et sympathisants, c'est très important de rester calme, de rester vigilant, de rester serein, d'écouter le président de l'UFDG, d'écouter le nouveau cellule de communication de l'UFDG. Je vais rappeler les militants et sympathisants de l'UFDG. Aujourd'hui, les personnes qui sont dans un autre parti politique, qui se disent sympathisants de l'UFDG, qui se disent qu'ils sont là pour défendre Elhaji Sélouda Ndiallo, je dis à nos militants et sympathisants, toute personne qui veut défendre Elhaji Sélouda Ndiallo, il n'a qu'à adhérer dans l'UFDG. Toute personne qui veut défendre les valeurs de l'UFDG, ils n'ont qu'à adhérer dans le parti UFDG. C'est très important. Les personnes qui viennent auprès des militants de l'UFDG dire qu'ils sont là pour défendre Sélouda Ndiallo, qu'ils aiment Sélouda Ndiallo, c'est pas vrai. Quelqu'un qui aime Sélouda Ndiallo, il n'a qu'à adhérer dans l'UFDG. Quelqu'un qui respecte Sélouda Ndiallo, il n'a qu'à suivre les valeurs de Elhaji Sélouda Ndiallo. On vient de finir bientôt le mois saint de Ramadan. Et nos militants, ceux qui disent qu'ils font le combat, allez-y leur dire de venir en Guinée-Conakry, de venir sur le terrain. Ceux qui disent qu'ils aiment Elhaji Sélouda Ndiallo, il faut leur dire d'adhérer dans l'UFDG. C'est très important, les communicants. Il faut que les gens arrêtent de se servir de vous. Il faut que les gens arrêtent de se servir au nom de Elhaji Sélouda Ndiallo. Il faut que les gens arrêtent de vous amadouer, les militants et sympathisants de l'UFDG. Grandissez, les militants et sympathisants de l'UFDG. Nous ne sommes pas dans une période d'injure. Nous ne sommes pas dans une période de combat. Aujourd'hui, l'UFDG a besoin de tendre la main vers les personnes qui ont des craintes, qui ont des doutes. Aujourd'hui, le président Elhaji Sélouda Ndiallo a besoin de la paix, a besoin de la cohésion sociale, a besoin de l'unité nationale. On est là présentement, on court partout. Je me suis déplacé, allé rencontrer le président du CNT. J'ai passé du temps parler avec lui. Je me suis déplacé, allé rencontrer le président de la transition, M. le colonel Mamadi Doumbouya. J'ai échangé avec lui. Aujourd'hui, on doit trouver une solution. L'alternance véridique dans le respect. N'écoutez pas les personnes aujourd'hui qui disent de faire la violence, de faire les grèves, de faire les soulèvements. Il y a possibilité que tout le monde s'asseye pour s'écouter, pour se parler. Il y a possibilité. Nous ne sommes pas dans un monde aujourd'hui où on veut la violence. On est fatigué de la violence. On est fatigué de la violence. Ceux qui disent que ce n'est pas possible, l'assise, ce n'est pas vrai. C'est possible. C'est possible. C'est des personnes aujourd'hui qui sont intelligentes. C'est des personnes qui sont matures. Nous devons prioriser une assise nationale dans le respect où tout un chacun va être invité. Nous devons rester dans l'esprit de paix, de réconciliation. Il ne faut pas qu'à chaque fois qu'on se soulève, qu'il y ait des pertes humaines en disant que c'est le combat de la nation. On a eu combien de pertes humaines? On a eu combien de personnes assassinées? Je ne veux pas retourner en arrière. Chers militants et sympathisants de l'UFDG, c'est très important. Il ne faut pas que les gens viennent se servir de vous. Toute personne aujourd'hui qui dit qu'il aime Sélouda Ndiallo, qu'il fait un combat pour Sélouda Ndiallo, il faut leur dire d'adhérer dans l'UFDG. Officiellement,
ils s'affichent officiellement, ils adhèrent dans le parti officiellement, ils font le combat du parti. Mais les militants et sympathisants de l'UFDG, je commence à me fâcher contre vous. Parce que les gens viennent dire qu'ils aident Seydou Diallo, mais ils n'ont pas le kilo d'adhérer officiellement dans le parti UFDG. C'est des personnes qui se servent de votre sensibilité. C'est des personnes qui se servent de vous. UFDG a les plus grands communicants de la Guinée. On n'a pas besoin des communicants fictifs. On n'a pas besoin de l'alliance temporaire. Et on n'a pas besoin de quelqu'un pour nous défendre. L'UFDG n'a pas besoin de défenseurs. L'UFDG aujourd'hui a besoin des adhérents, a besoin des personnes qui veulent faire, qui veulent faire le combat pacifiquement, raisonnablement. C'est ça le souhait du président Elhadji Seydou Dalein Diallo. C'est ça les valeurs du parti. Les personnes qui disent qu'ils sont là pour aider Seydou, ce n'est pas vrai. Il faut leur dire d'adhérer dans le parti, officiellement, de s'afficher, de prendre des cartes du parti, d'aller s'enrôler, qu'ils se préparent pour aller dans les élections. Aujourd'hui, on est en Guinée. Ici, c'est en Guinée. On est venu pour ça. Hein? Je suis en train de faire le tour des grandes personnalités, de l'armée, de la police nationale. Parce que c'est possible qu'on se ressaisisse, inviter tout le monde à un dialogue national. C'est très important. On ne doit pas prioriser la violence. On ne doit pas prioriser l'animosité. Et aujourd'hui, celui qui veut des vues, celui qui veut être écouté, il dit qu'il aime Seydou Dalein Diallo. J'ai vu certains communicants aujourd'hui, on vous connaisse, qui se sert aujourd'hui du nom de Seydou Dalein Diallo. Dire qu'on a gâté la maison de Seydou Dalein Diallo, on a détruit. Mon frère, on sait tout. Seydou Dalein a vécu pire que ça. On a fait tout à M. Seydou Dalein Diallo devant nous. Même bien avant notre arrivée dans l'UFDG, on a tout fait à M. Seydou Dalein Diallo. Donc, arrêtez d'amadouer nos militants et sympathisants. Faites vos combats. Il faut faire vos règlements de compte. Il faut faire vos haines là-bas. Ne vous mêlez pas avec les militants et sympathisants de l'UFDG. Nos militants et sympathisants de l'UFDG, soyez vigilants. Les personnes qui viennent pour défendre Seydou Dalein Diallo, il faut leur dire d'adhérer dans le parti. Il faut leur dire d'être militant du parti. Il faut leur dire de s'afficher. Hein? Ils ne s'affichent pas. Ils ne s'affichent pas. L'être humain doit s'assumer. Ceux qui ne veulent pas rentrer, adhérer dans le parti, on n'a pas besoin de, le parti n'a pas besoin de votre aide. Parce que c'est de la démagogie. Parce que ceux qui veulent faire la haine, ils viennent dans l'UFDC pour faire la haine. Ceux qui veulent insulter, ils vont dire « Ah, nous, on va défendre Seydou Dalein Diallo. » Les petits communicants sur les réseaux sociaux, 2020, vous étiez où? Vous étiez où? Quand on agressait Seydou Dalein, vous étiez où? Quand on a encerclé la maison de Seydou Dalein, vous étiez où? Quand on nous a barré la route partout à l'intérieur, vous étiez où? Arrêtez la démagogie. Arrêtez la démagogie. Si vous êtes homme, en 2020, on a combattu pour l'UFDG. On nous a dit, si nous sommes hommes, de venir en Guinée. J'ai pris l'avion, je suis venu en Guinée. J'ai fait le combat. Mais ceux qui font le combat, si vous êtes hommes, venez en Guinée, faites le combat en Guinée. C'est ça un combat. Et si ceux qui aiment celui-là, il faut adhérer dans le parti de celui-là. Il faut adhérer dans le parti de celui-là. C'est ça la vérité. Vous ne défendez pas celui-là. Vous vous servez de celui-là et son parti pour faire ce que vous voulez faire. Pour avoir de la visibilité. Mais si vous êtes homme là, venez en Guinée. Venez en Guinée. Les blogueurs, je vous ai montré l'exemple. Je me suis opposé au régime de M. Alpha Condé. Je suis venu en Guinée devant tous les Guinéens. J'ai fait mon combat sur le sol guinéen. Mais si vous êtes homme, venez en Guinée. Venez en Guinée. Donc, chers militants et sympathisants, j'ai été reçu par le président Mamadi Doumbouya. J'ai été reçu par Dansa Kourouma. On va faire ce qu'on peut pour qu'il y ait la paix dans ce pays, pour que ces gens-là se comprennent. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Donc arrêtez d'écouter ou de suivre les uns et les autres. C'est très important. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu nous amène la paix et cohésion sociale. Que la transition là soit une dernière transition en Guinée et une transition réussite. Que Dieu vous bénisse. C'est la voix de Malik.
On ne vous a pas oublié. On est sur le terrain. On essaie de trouver une solution. Donc, laissez les sorcières de vue, les monétisations des passes. S'ils veulent défendre ces loups, il faut leur dire d'adhérer dans l'UFDG, de prendre des cartes, d'aller s'enrôler les élections, voter pour ces loups. C'est ça le plus important, que d'inciter la violence, de taper les poitrines. Hein? Donc, c'était une petite vidéo. Que Dieu vous bénisse. Je vais bien. Et je continue à rencontrer toutes les personnalités de la Guinée. Je vais rencontrer toutes les personnalités de la Guinée, sans exception. On va échanger. Je vais leur dire ce que je pense. Je vais leur donner la solution. Moi, je suis venu en Guinée pour donner la solution à tout le monde, et à notre parti, et au CNRD, tout le monde.